Bonjour, voici le violoncelle. Lui aussi n'est pas pareil. Et pourtant, il appartient, comme beaucoup d'autres instruments, à ce qu'on appelle une famille. Sa famille à lui, c'est celle des cordes frottées. Mais frotter avec quoi? Frotter avec une éponge? Non, non, aucun intérêt, ça ne donnerait rien. Prenons plutôt un archet. Ceci est le compagnon indispensable de tous les instruments de cette belle famille. Et alors le violoncelle, lui, il est fabriqué en bois, avec de grandes planches, un petit peu comme celle-ci. C'est une vraie planche, épicéa, érable, et tous ces beaux bois. Elle est plus grande, et puis on l'affine, on la découpe, et on en fait ce bel instrument qu'ensuite on recouvre d'un beau vernis. Ensuite, il y a ces quatre cordes qui sont montées sur l'instrument, que je vais vous faire entendre. À la manière d'une guitare d'abord, on appelle ça des pizzicato. Mais on peut aussi jouer avec l'archet, c'est tout l'intérêt. Voici ces quatre cordes à nouveau. Le violoncelle n'est pas pareil que ses cousins. Il n'est ni le plus aigu, ni le plus petit. D'ailleurs, il ne se tient pas sur l'épaule. Il repose par terre, monté sur sa pique. Il n'est pas non plus le plus grave, ni le plus volumineux. Il n'a pas mangé assez sa soupe de notes quand il était petit. Allez, mange un peu. Non, je ne veux pas. Mais il a peut-être à son actif le plus de notes. Il a du grave, il a du médium et il a de l'aigu. Jugez plutôt. Et encore. Et encore. Et bien sûr, il existe en plusieurs tailles pour pouvoir être joué. Que soit la taille que l'on fait. Tu es prête, Marmottine? On peut jouer un petit peu? Allez, allons-y. S'explique. On vous laisse, Marmottine, à nous deux. À bientôt.